Et salut à tous, ici Silver et bienvenue pour cette partie 5 du Let's Play de Mario Luigi Super. Ça y est, je l'ai faite. Partner in Time. Bon, je vais essayer de régler un peu le son. Donc j'ai changé de pièce, donc je pourrais pas mettre non plus très très fort. Alors la dernière fois, on s'était arrêté à la forêt Toadbois. Enfin, même dans la centrale Xampi, précisément. Et je vais lancer mon petit chrono parce que j'ai encore oublié, comme d'habitude. Alors. Alors, il est fortement possible qu'il y ait une coupure un peu n'importe quand, en plein milieu nulle part. Ne vous inquiétez pas. Allez, vous n'avez rien vu. Ah mais il attaque deux fois. Raté. Alors B. Y. Raté. Allez, on continue. Bah j'essaie de. Voilà. Je dirais lui parce qu'il va me faire chier après. Alors on va. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de le virer d'abord lui. J'espère que vous aurez un bon son. Je crois qu'on peut garder les marteaux indéfiniment dans celui-là. En même temps, c'est les bébés qui les tiennent, quoi. Voilà. Biatch. Tellement de puissance. Attends, peut-être balancer les. Ouais, mais oulala, mauvaise idée. Ça sent la mauvaise idée à plein nez. Bon. Ah, putain. Ça vous avait manqué? Oh, misère. Let's go! On peut les garder indéfiniment, j'ai l'impression. Ah merde, c'est deux fois. Ah là là. Biatch. Oh, le couac. Bon. Là, oups. Là, c'est moi qui me suis chié comme une merde. Peut-être se soigner un petit peu parce que j'ai quand même un petit peu morflé. Bébé Luigi, il a pas touché. Je sais pas pourquoi, mais lui, il est toujours intouchable. J'ai rien à y faire. Et dans ma première partie, enfin, la première fois que j'avais fait le jeu, c'était exactement la même chose. Bébé Luigi ne crève jamais. Enfin, sauf dans les game over, évidemment, mais c'est toujours le dernier à crever. Je sais pas comment il fait. Ah putain. Ah misère, je vais enchaîner les feuilles, je le sens. Bon, la très très longue salle, je sais plus ce qu'il y a. Bon, combat. Voilà, ça c'est fait. Affût.
Un petit coup de marteau, ça devrait suffire. Oh, c'est que 4 de plus, c'est pas. Ça donne pas énormément de. Ouais, carapace verte. C'est bien, allez, on continue. Si on se fait pas attaquer par. Je n'en avais point le souvenir. Bon, alors. Allez, lui, on va le virer. Ouch! Bon, ça c'est fait. Trop tôt. Et allez, XP. XP, XP, XP. Oula, ouais, la moustache, il a pas tellement. Je vais quand même augmenter sa défense. Ouais, c'est pas très glorieux. Ouais. Ouh là, oui, là, il y a du 6. Oh, les mecs. Je suis bon. Bon, les PV, je pense qu'il a largement ce qu'il faut, lui. Ah, raté. C'est pas grave. Bon, les grands, j'espère qu'ils attendront pas 15 ans pour remonter. Donc, hop là. Même des petites musiques comme ça, ce sont quand même énormes. Bon, allez. 8. Ah, je vais peut-être voir le tuer en un coup. Enfin, en un tour, je veux dire. Oh, ma bite sur ton front. Oh. C'est tellement permacraqué. Merde. La connerie à pas faire. Voilà. D'accord, c'est les deux doivent avancer. Et le pont magique. Ça fait une bouche. Oh, c'est tellement simple. Allez, faire XP les grands. Bon, c'est pas comme ça que je voulais le faire, mais c'est pas grave. Oh, tant de puissance! Je sais, depuis le début de l'épisode, vous avez dû entendre vachement de trucs intelligibles. Enfin, des « oh, des « ma bite sur ton front », c'est tellement poétique, je sais. Ah là 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 là. Poésie quand tu nous tiens. Voilà. Et là, on va se mettre en mode cabeu. 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 Picabou. Et on ouvre la première porte. Et on ouvre la deuxième porte. Les grands, ils sont. Ils font quoi? Ils ont quelque chose là-bas?
Que dalle. Bon, on récupère les petits. On va d'abord aller par là-bas. Ah, ça faisait longtemps ça. Vous vous en souvenez des trucs qui étaient bien chiants que j'arrivais pas à faire 21, plus de 21 dans Superstar Saga? Eh ben ça c'est la suite. Pas mal. Ah. Il y a partout ces saletés. Sur le dos, saut adulte, saut bébé, frapper, bloc, surélevé. Joue. Quoi? Quoi ces trucs? Joie. Oh mon dieu. Ah Luigi, qu'est-ce que tu es lent, désespérément. Bon, ben je vais être obligé de... Faire du permacrac. Ça c'est fait. Allez. Bon, ça c'est fait. Allez, un petit peu d'XP pour les grands parce que ils ont pas. Non, même pas. T'as les petits, ils sont déjà à 1000. Hein. Oulala. Est-ce que ça lag? On va pas tous les virer, hein, ça c'est clair. Je sais pas ce qu'il va en faire de son champignon, mais j'ai un peu peur. Ouch! Ouch, bobo! Ouais. Bon. Bon, on va pas insister plus. Hein. Voilà, c'est fait. Ah, je croyais qu'il allait pas mourir. Allez, les grands, vous opez, s'il vous plaît. Ah, oh, putain, il faut attendre 1000 ou quoi? Bon, bref, le prochain mob, quoi. Putain, il y a encore des trucs pour les bébés, hein. Il y en a partout, moi. En même temps, vu le peu qu'il y en a dans le jeu, parce que disons que ça, ces poids-là, ils sont justement en quantité limitée. Et pourtant, ils ont le même... Enfin non, ils ont pas du tout la même utilisation que les poids, moi. Alors, ça c'est ouch, oulala. Bon. Défoncer sa mère à Rodrigue.
Eh merde. Bon. Alors déjà, il faut que je réanime Luigi. Luigi, mais c'est pas une perte de temps, mais disons que si j'ai Luigi, je ne le réanime pas, bah, il ne gagnera pas de l'XP. C'est comme dans Super Star Saga, quoi. Et donc après, ça fait des écarts, et c'est... Je déteste les écarts, ça, c'est un truc que je déteste. Fortement. Allez. Une fois, dans ma première partie, j'ai eu le malheur, en fait, de finir un boss sans Luigi, et à la fin, l'écart, mais c'était plus un écart, c'était une montagne, quoi. Eh bien, quand même! Sa défense est un peu moisie, mais bon. Non. Ouais, de toute façon, c'est bon. 4. Hein. Ouais, là, il y a du bon. Yeah! Voilà, oh là, c'est avec sa vitesse moisie. Putain, il y a que 3. Ça s'appelle le talent, messieurs, dames. Ouch là là, ouh la baisse de framerate. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que je regrette, Fraps. Oh, le pont du couac. Ouais. Little bit of a problème. Voilà, c'est bon. Oh. Si puissant. Non, non, t'as pas fait ce que je pense. Si, c'est bon. Mais non, mais... Bouletta! Et ben... Putain, mais quel coup! Oh là 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 là! Bon, ce serait bien que les babies n'aient pas un écart de 15 gigas... méga XP, parce que... ouais... Oui, et oui, alors là il y a un petit problème parce que les bébés ne volent pas, à ce que je sache. Enfin, bon, à mon avis, il va falloir continuer encore avec ça. Stop, parce que j'ai pas mis l'écran dessus. Ah oui, bah alors il y a des blocs évidemment. Des blocs qui traînent. Non. Non. Top, Mané. Allez, oui. Et ça fait un pont. Let's go. Bon. Non. Bon, pour une fois que le bébé Luigi se prend des dégâts. J'aime bien, il fait caca et il est plus malade. Oui. C'est pire que les proutes des primitiques, je crois que ça s'appelait comme ça dans Super Star Saga.
Bon, on va bientôt attaquer le boss de la zone. Donc je vais faire une petite ellipse pour évidemment pour ne pas vous imposer le. Et à tout de suite. Et me revoilà. Donc je vous laisse lire un petit peu le truc. Le géant a été sauvé par Bébé Mario Bébé Luigi. Quel drôle de sensation ce doit être, avancer et trouver le fragment d'étoile cobalt. Voilà. Allez. Eh oui, c'est ça la technologie. Je prends un jus. Et j'alimente des vaisseaux. Allez, le premier vrai gros boss. Bon, alors, on va commencer avec le bourrin. Hein. Tiens, alors, je vous montre un petit peu les canons. Alors, le but, c'est qu'il va falloir taper sur le bon. Alors, Luigi. Luigi, Mario. Bon, c'est un fail lamentable, vous n'avez rien vu. Vous ne me connaissez pas. Bon, ça vous rappelle... C'est pas du nouveau, ça, c'est clair. Bon. On va se contenter de la carapace verte pour l'instant. Alors, c'est Baby Luigi. Ouais, en clair, ça suffit. Eh merde. Boum! Oula. Ouch, ouch, ouille, ouille. Qu'est-ce que je fais moi? On va peut-être se soigner parce que là je suis pas loin de la mort donc. Allez, régénération pour tout le monde. Est-ce que je peux pas avoir le. Non, c'est pas grave. Attends, on va dire un peu voir ce que font toutes les attaques. Ouais, pas grand chose, pas grand chose. Le mieux, ça reste encore le. Oh là là, c'est ça qui va nous attaquer. Non mais vas-y, attaque 15 fois hein. Ça me rappelle un peu les boss de... Ah putain, j'ai oublié que ça là, c'est clairement les boss de Superstar Saga, mais encore plus chiant. Ah mais je l'ai touché. Bim 38. Quand même. C'est pas mal. Ouh là là, ça fait laguer le jeu, sérieusement. T'es franchement, c'est trop obligé de faire ça avec stimulateur, c'est horrible. Ah mais oulala, c'était nul.
Bon. L'inconvénient avec ces boss, c'est qu'il y a toujours des animations qui durent 15 ans et... Maximum puissance. Allez, on va voir ce que ça fait le marteau. Rien du tout. Ah, c'est un fait en même temps. Ouch. Avec merci le lag qui m'a fait ce truc. Oups. Bam. Ça, c'est fait. Il faut encore que je sois malade, ça c'est bien ça. Ah merde, oh là, c'était lamentable. Pff, ça fait laguer le jeu, c'est fou. Alors. Imperfect, ça c'est beau ça. J'aime bien le perfect. Ah, il commence à s'inverser. Alors là, ça, là la misère commence. C'est quand ça commence à s'inverser. Mais vas-y, il est à peine arrivé, il attaque déjà. Oh. Logique, lol. J'ai pas un moyen de lui casser son... Non. C'est pas grave. Ben on va y retourner à la carapace. On va tenter la fleur de feu. Ouais, mais le problème c'est que ça va toucher tout le monde. Bon, c'est pas grave. Bon, il y en a un qui a explosé dans sa toute puissance. Oula, le... C'est moi ou le verre, il commence à être un peu radioactif, là. Ah. Il fallait que je foute le feu? Attends, je m'en souvenais pas de ça.
C'était Wiggler Xampi, oui, d'accord. Oula, 4? Putnaise! Bon, bah alors là, je peux peut-être essayer de faire plus de dégâts avec le Babies. Oh, punaise! Oui! Déjà? Bon. Bah si j'avais su, bah je l'aurais fait plus vite, hein. Oh, plein de pépettes, plein de pépettes. Allez, du XP pour les Babies. T'as la moustache qui grandit pas du tout. Oula, lala. Alors pour ceux qui auraient loupé un épisode, c'est ce que je rappelle, la moustache c'est pour la chance. Plus on a de moustache, plus on a de chance d'avoir de la chance. Et lui, je vais lui augmenter son attaque. Non. Défense, non plus. Bon ben, augmentant sa moustache. Oui, la moustache pour des bébés, oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait normal. Voilà, deuxième morteau de l'étoile cobalt. Hop là, le petit micro qui se barre. Deux fragments stellaires. Non ! Sérieusement ? Ah voilà, je me dis bien que... Ah ! Ça vous rappelle rien ? Rien. Ouh, je sais ce que c'est le monde d'après. Ouh, oui. Ah, ça va être mon monde préféré, je pense. Bah, c'était pas forcément. Cycle de honte initié. Évidemment, au moins on se retape pas le chemin, c'est déjà ça donc. Ou alors je ne sais pas pourquoi ils sont séparés à chaque fois. C'est pour mieux se retrouver peut-être, je ne sais pas. Alors on va passer les babies là-haut. Ah patané. Oui, ça veut pas dire grand chose, je sais. C'est... Et puis niveau poésie, on a vu mieux, d'accord, oui. Allez, on va voir chef. Enfin, le tech chef. Je vais m'appeler. Le bout de votre moustache. Il va y avoir des vertes et des pas mûres, n'est-ce pas? C'est que de honte initiée. Tu as le droit de trouver un autre fragment. Je veux une Bowser à faire avec les deux fragments. Aussi vite que du pain. Quoi? Oula. Donne des fortes énergies d'étoile cobalt. Alors ça c'est le premier étage, hein, de se dire mais... Qui court dans tous les sens avec un bébé. On va peut-être apprendre notre première technique. Alors juste pour montrer... Alors normalement si je me souviens bien, cette faille-là mène au village joli joli. Et celle-là, on n'ira pas tout de suite, parce qu'il faudra apprendre une certaine aptitude qu'on aura un peu plus tard. Ça y est, ça recommence. Mon vieux moi.
Et là, ça va vite vous rappeler quelque chose. Le... Tourbilal! comme vous avez grandi. Oui, ça veut dire quelque chose. Hein. Le saut en vrille. En sens où clair, y a pas un Mario Luigi sans cette technique. Faut pas oublier que Mario Luigi c'est surtout de la plateforme, en plus du RPG. N'appuie sur B pour... Et voilà. Pour l'instant on a que ça. Alors... Voilà, petit lag. Enfin non, il était déjà ce petit lag, je crois. Là on peut bouger, là c'est l'avantage. Parce que dans Superstar Saga on pouvait pas. Oh là là. Est-ce qu'on peut passer là-dessous, je sais plus. Non, on peut pas. Je sais plus comment les envoyer d'ailleurs. Bon, et ben, je vois qu'on est déjà à 37 minutes, donc on va peut-être en arrêter là. On aura déjà fait un petit boss. Ah oui, voilà, pour ceux qui demandaient, non, et oui, il y a une porte, mais non, on peut pas sortir. Dans le château du passé, on devrait pouvoir sortir. Enfin, pour s'en sortir, ouais, voilà, c'est vivre la sortie, quoi. Mais, c'est pas la grosse sortie. Enfin, bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la partie 6, au même moment. Alors, il se peut, parce que le problème, c'est que la semaine dernière... la semaine dernière. C'est con de dire ça parce qu'en fait je tourne ça toujours une semaine à l'avance. Donc la semaine actuellement où je suis, donc ce sera la semaine prochaine pour vous, j'ai eu quelques petits problèmes d'upload. Enfin disons que c'est pas... aucune vidéo n'a failé, mais... il a commencé à neiger chez moi et c'est devenu Tati Ramet. Donc Tati Ramet, va de valeur. Donc c'est un petit peu la misère. Donc voilà, donc on fait avec. Donc il est possible, d'ailleurs, que je sais pas trop, qu'on réduise le rythme des vidéos. À cause de la neige, ça me ferait chier, franchement. Alors, déjà, en plus avec la Wii U qui va arriver, qui en plus n'est pas encore arrivée chez moi, c'est ça le sale pire. J'étais censé l'avoir un certain temps, et je me suis fait refuser ma commande, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, je vais finir, arrêter de parler de ma vie. Juste pour terminer sur le walkthrough qui allait bientôt arriver, parce que normalement, j'aurais dû poster la semaine dernière les deux vidéos de Portal 2. Si elles ne sont pas postées, je pense que je devrais poster la deuxième de Portal 2 avant. Enfin bon, pour le peu qui demande qui va rester, je peux vous le dire maintenant. Le walkthrough est un... J'aurais sûrement fait une vidéo annonce, c'est un walkthrough de... The Legend of Zelda Oracle of Ages. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la partie 6 juste après. Et puis voilà. Ah oui, au passage, je pense que je ferai deux vidéos de chaque. Hein. Comme c'est du Game Boy, c'est le plus léger. Donc voilà. Bref, j'arrête de causer. J'y vais. À tout à l'heure.
Ciao.